Et il est à l'ivoirienne, c'est normal, non? Ouais. Il y a des gens qui sont sans cœur au point de bouffer l'argent de cercueil de sa tante. Oh. C'est pas encouragé, mais franchement, il fallait que je le dise, en fait. Il a pas peur, en fait. Oh là, là, on est restés bouche bée, là, ça. Voilà. Bon, ça existe pas vraiment? C'est une histoire macabre, Yves. Okay. Mais il y a des gens qui font ça, hein. Oui, effectivement, il y a des gens qui sont sans cœur. Hein. Des choses terribles. Deuxième tableau. Il se disputait avec sa femme. Il avait raison jusqu'au moment où la servante est venue lui dire « Bébé, calme-toi. » C'est fou. T'as raison. C'est fou. La servante a dit ça à qui? Au mari? Non, elle n'a pas osé. Bien sûr. Elle est suicidaire ou quoi? Elle parlait à l'enfant. Il a dit quoi? À quel enfant? Il oui, discutait avec sa femme. Lui, il avait raison sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait raison, je ne sais pas. Il discutait. Et puis la servante est venue. « Bébé, faut que tu te calmes. » C'est vrai. Hey. T'as raison. Calme-toi. La maison va trembler. Ah. Bon. En attendant que la maison s'écroule, ce qu'on n'espère pas, nous allons rentrer dans le cœur de notre sujet tout en remerciant Yann Cédric pour ses deux beaux tableaux qui nous ont permis de planter le décor dans la joie, dans le sourire.